commune de Dide, ultimatum de la gendarmerie nationale. Après avoir effectué une descente sur place, la gendarmerie nationale a lancé un ultimatum de 48 heures aux exploitants miniers qui opèrent illégalement dans les carrières de saphir dans la commune rurale de Dide, région Alochamangour. Passé ce délai, des mesures strictes seront prises, a-t-on fait savoir dans un communiqué. Dans son rapport, la gendarmerie nationale fait état de 70 hectares de forêt détruite à Bémint, à Ankenin-Zahamen, avec des milliers d'arbres abattus, ainsi que près de 2,5 km de trous et de crevasses. Près de 6000 personnes exploitent le site depuis plusieurs mois. Lancé également que pour alerter les autorités, les professeurs et enseignants des EPP, CEG et lycées s'étaient mis en grève. Les enfants et les jeunes écoliers, les filles notamment, ont commencé à déserter les bancs des écoles et ont rejoint les carrières. Ils dénoncent ainsi la complicité des ressortissants étrangers, des Sri Lankais pour la plupart. La vie sociale, économique et sécuritaire ne cesse donc de se dégrader, sans parler des conséquences sur l'environnement. Et plus grave encore, la situation s'étend jusque dans les communes voisines telles Mbouibé et Ndengo. Une dizaine de personnes ont déjà été arrêtées, des véhicules de type 4x4 appartenant aux mêmes Sri Lankais ont été saisis.